Eh bien, bonjour. On se retrouve pour la suite de Spider-Man 2, l'épisode 4, je crois. Désolé, j'avais dû couper en pleine mission. Dans un flashback avec Harry, on s'est infiltré pour récupérer les lance-toiles dans le lycée. Oh, pardon. Et Mon Dieu, c'est Bruno! J'avais oublié qu'il était là! on doit chercher Harry au Je devrais commencer gymnase. à prendre des notes, moi. Y a des trucs dedans? Non? Ok. Hop, pardon. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Trouver des diversions. Ah oui, pour... oui, ok, bon. Et qu'est-ce que c'est? Attention, je vais taper un sprint. Hop, 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 reste où t'es, petit. Arrête de courir maintenant. Je suis sûr qu'Harry est déjà au gymnase. Je dois faire vite. Allez. Ah, mais je peux faire du bookie du coup, ouais, je peux faire genre... là-bas. Ah. C'est pas par là qu'on passe? Ah, c'est par là-bas. Ok. J'avais pas vu. Mais est-ce que Harry sait qu'on est Spider-Man? Je pense pas en vrai. Brick la bourrique. Que je l'éloigne de cette porte. J'imagine que c'est ça qu'il faut faire exploser. Comment on fait pour... Désolé pour tout ce bazar. Ok. Ouais. On vient pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. Heureusement que ces vêtements ils font pas de bruit. Hein. Oh oh. La vache. Je croyais qu'il t'avait eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Hop là. Y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même, mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme? Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Boum. Un peu rouillé, ça fait rien. À toi. Oh, j'espère qu'on joue. Ouais. Bien visé. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de May. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En avant. Ok, c'est un QTE en fait, mais bon. En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc? Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Bah. Ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours, avec le temps. Ah, je suis déçu qu'on joue pas. C'est dommage que les QTE désactivés, ça enlève vraiment tous les QTE quoi. Alors là, aucune idée. Moi non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais c'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances? Tu saurais retrouver ton ancien casier? Mmh.
Attendez, j'ai pas. Il est passé où, ce gardien ? J'ai pas lancé le. Alors on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. 2 secondes. 5 minutes, ok. Pour lancer le chronomètre. Je dois payer pour avoir pété ton ordi. Non, laisse tomber. Mais on peut pas le laisser s'en sortir. Il est capitaine de l'équipe de foot. Moi, je suis deuxième voix à la chorale. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Notre meilleure vengeance, c'est de gagner le concours demain. Il est où ? Wouah, toutes les coupes. Est-ce qu'il sait qu'on est... C'est ça que je comprends pas. Là-dessous, dépêche-toi. Ok, je vais le faire avoir. Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre, j'ai déjà ratissé cet étage 3 fois. Je suis en train de perdre mon temps. Y'a quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut appuyer sur l'ascenseur là, non ? Donc toi ça explose et tu restes dans l'ascenseur. Putain, moi je serais parti en courant, moi. Oh, ouais. Vas-y, prends la clé et on s'arrache. Elle est où la clé ? Je peux pas bouger. Attendez, hop. Elle est où la clé ? Ah, ok. C'est quoi ce truc ? Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y, prends-le. Oh, la poisse. Qui est là ? Ah, oh, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise. Non. Cours. Oh. Hey. T'abuses ? On va se faire arrêter. Faudra d'abord qu'il nous attrape. Je te rappelle que t'es en rémission, Harry. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère. T'as toujours la clé ? Ouais. Y'a plus qu'à passer ces portes, et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. J'ai appelé les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Mais... retiens-les encore un peu, j'ai une idée. Bah attends, je fais quoi moi ? Tu te fais pas choper ? Ah ouais, j'oublie tout le temps. Police, dépêchez-vous. Bonsoir. C'est vous qui avez appelé ? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isolez le garde pour récupérer ma clé USB. Je suis sûr qu'il se plante dans le coin. Mes hommes cherchent, mais on a besoin de votre déposition. Vous avez vu quoi ? Eh ben, Rick Labourique... Enfin, je veux dire, le gardien de l'école, il a entendu des trucs. Mais vous savez, il se fait souvent des films dans ce genre-là. Des films ? On peut savoir ce que vous entendez par là ? Eh ben, ils tirent parfois des conclusions hâtives. Ça fait des années qu'ils croient que l'école est hantée. Mais c'est pas un fantôme. C'est des gamins qui se foutent de nous. Des gamins ? Ils sont plusieurs ? Bon, ça je peux pas en être sûr, mais ça me paraît évident. Vous avez vu quoi, précisément ? Eh ben... Vous les avez vraiment vus ? Pas vraiment, non, mais je les ai entendus, hein. Et comment vous savez qu'ils sont plusieurs ? Mais vous deux... C'était quoi, ça ? Venez voir ! Roulement de tambour. Et deux. Allez les enfants, on sait que vous êtes là. Mais on peut pas se les faire. Oui d'accord, oui, on va pas se les faire, on va juste. Wow ! Très bien. J'ai plus qu'une seule personne à éloigner. Moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. J'ai vu ça dans un film. Ces gamins. Super. Et leur canut. Je vais me retrouver juste au-dessus de lui. Comme si j'avais le temps pour ça. Jerry doit être en train de m'attendre. Je l'ai. C'était quoi ça ? Oh, comment je me sors de là maintenant ? Ah,
just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. C'est extrêmement drôle ça. C'est bon. Ah, le rickroll de la police, terrible. Oh oh. Il faut se planquer. C'est pas la police. C'est mon père. C'est mon père. C'est mon père, le salarié riche. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant. C'est ta mère. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Peter, tu nous excuses une minute. Ça. Avec notre présentation, on aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance, et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Wow, ça fait... beaucoup d'émotions d'un coup. Tu devrais passer au labo demain, pour te faire une idée. T'as déjà un labo ? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets, et on en discutera plus longuement. Ça marche ? Ça marche. Pete, on va guérir le monde. Ouais. Oula. Kezako, qu'est-ce qui se passe encore ? Escadron K1 en approche. Ah, c'est État des lieux. Le manoir et la reine sont presque achevés. Éclaireur, au rapport. Craven. L'homme sable nous a échappé. On doit faire une croix dessus. Alors, ce n'était pas lui. Bien reçu. En attente de vos ordres. Mais oh, j'ai pas vu. Soyez les noms. Soyez prêts pour le transfert demain. Et ne me décevez pas cette fois. J'ai vu Black Cat et j'ai pas vu le reste. Alors, je suis pas sûr que. Alors, je suis pas sûr que ce soit possible de voler aussi de New York aussi bas sans être remarqué. Musique, technologie, programme. Je meurs d'ennui, rien qu'à lire ça. Oh, c'est trop bien cette technique pour tenir le PC. Même la boisson, j'avais pas vu. Hey Miles, t'es occupé ? Je sais ce que tu veux, je suis partant. Soin d'aide pour une mission de babysitting. Ça a l'air cool. Tu m'expliques en route ? Il est carrément accroché au frigo, purée. Ne regarde pas comme ça, pas. Je m'accorde une pause. Hola, mijo. Ça se passe bien, ton essai ? Ça se passe. Mais je vais faire un tour. Pete a besoin d'un coup de main. On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails. Eh, hey, ça va aller, ma. Espera un momento.
Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment où tu t'es retrouvé à travailler tard, et où moi aussi je travaillais tard. Eh ben, en fait, j'étais pas au travail. Mais regarde pas comme ça, je suis pas recherchée par la police. C'est juste que... j'étais à des rendez-vous. Galant, en réalité. Ah, d'accord. Et il y a cet homme que j'ai déjà vu plusieurs fois, et... et ça se passe plutôt bien. Où tu veux en venir, mort? C'est cool. J'aimerais bien l'inviter. Je ferai du patelon. Je suis sûr que je peux me trouver des spider trucs à faire. Histoire de vous laisser tranquille. Non, je voudrais que tu le rencontres. Et qu'il te rencontre, lui aussi. Mais si ça te met mal à l'aise, je comprendrai parfaitement. Mort. Tu sais, tu m'as eu à patelon. À plus. Ok, bien sûr. Ok. Il faut que j'aille au raft. Au raft. Ah mais c'est la prison le raft. Ah mais c'est vraiment une grosse mission là qui commence. Ces couloirs devant pourraient me propulser. Utilise Delta Toll à l'intérieur des couloirs de vent pour vous déplacer rapidement. Ouais, mais c'est ce que je fais. Ah oui, d'accord. Un autre, là. Ouais, un courant ascendant. Wow, je commence à choper le truc. Ok. Ben on va faire la mission maintenant. Je vais prendre de la hauteur. Merde. Ben non. J'adore quand il y a du vent. Miles, je suis en train d'arriver au raft. T'es en route? Super. C'est pour qui le babysitting? MJ a appris que Scorpion va être transféré à Ravencroft. Scorpion, ah oui. De ressources pour l'encadrer. Depuis que l'homme sable partage sa cellule. Il faut jamais sous-estimer Scorpion. Je serai là. Eh. Hey. C'est encore un cristal de mémoire de Marco. Quoi? Où? Je devrais m'en occuper. On va le faire. Je sais pas si... Je pense qu'on va faire 2-3 trucs annexes. Je lancerai la prochaine mission dans la prochaine vidéo. Je pense que je vais d'abord faire des trucs annexes. Maintenir. Ok, d'accord. Je vais faire des trucs annexes. Parce que j'ai l'impression que la vidéo va durer longtemps sinon. La mission va durer longtemps. On va faire le petit truc annexe à la con là, genre ça. Ouf. Je ne sais pas. Par contre, est-ce que je suis vraiment difficile? Parce que j'ai pas l'impression. Ou alors le jeu est très facile, mais. Bon, de base, le jeu était pas dur de base, mais. Mais je perds pas beaucoup de vie, c'est ça qui me dérange. Juste à les balancer à l'eau en fait. Merde. Enfin pas qu'à l'eau mais... Ok, ça c'est fait. On récupère ça. Bon, je vais devoir le casser. Peut-être que je deviens complètement fou. Mais où que j'aille, je les vois. Au travail, à l'épicerie, au parc. Ils nous suivent à la trace. Marco était en panique. Oh. Je me demande bien si celui ou ceux qui le suivaient sont encore là. Ben, j'ai l'impression qu'on va les rencontrer dans la prochaine mission. C'est pour ça que j'ai pas envie de la lancer de suite. C'est quoi ça? Ok, il me suit. Ah, il n'y en a pas beaucoup des trucs de Marco. Il y en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, ok. C'est vrai qu'on... Je peux changer de tenue. Vous savez quoi, pour les trucs annexes, on va mettre ça. Juste pour les trucs annexes, c'est là qu'on va faire. Ah, je suis pas fan en fait. On va faire les 2-3 trucs annexes, histoire de... Oh, trop bien! Salut les amis,
ici Danica. Ah, elle m'avait manqué, elle aussi. Le podcast le plus populaire du moment à New York. Accroche-toi à ta moustache, Jonah, j'arrive pour te piquer la parole. Je tiens d'abord à saluer les nouveaux auditeurs. Le Danicast, c'est votre rendez-vous quotidien avec de vraies histoires racontées par de vraies personnes. Vous avez entendu l'histoire de Dennis, ce conducteur qui a continué à faire fonctionner tous les métros de la ville pendant l'attaque de l'homme sable. L'accès à la cabine de contrôle principale a été coupé, mais il est arrivé à se reconnecter au réseau depuis son smartphone pour éviter une interruption du trafic. Des milliers de gens ont été évacués du Queens et de Brooklyn grâce à lui. Dennis, toute l'équipe du Danicast te salue. Continue comme ça. Ok. Elle m'avait manqué. Les podcasts m'avaient manqué aussi. Les podcasts en général. Que ce soit de Jonah ou de Danny. Bah attendez, par contre j'essaie de faire un truc depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. C'est-à-dire que je veux faire ça. Non. Non mais... Il est compliqué ce jeu. Enfin, c'est juste qu'il fait de la merde. Pour le coup. Ok. C'est ça que je veux faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais soit. Bon, ok. J'arrive pas. Oh! What the fuck? Kiryu? Ah, je crois que c'était Kiryu de Yakuza. Bon, bref, pardon, je m'écarte. Je dois intervenir. Ah bon? Il se passe quoi? Vous avez vraiment la tête dure! Allez, abandonne! Spider-Man! Évidemment! Est-ce qu'ils se font attacher? Ouais, c'est ça. Oh, je l'avais pas vu lui. Vous êtes plutôt costaud. Je suis sûr que le fils a besoin d'hommes comme vous. Pensez-y. Tu les as eus alors qu'ils étaient au moins 15? Ah, les gars voudront jamais me voir. 15? Dis, je peux faire un selfie? Ouais, bah oui. Pardon. Bah oui, viens. Comment on fait les selfies? Ah, je suis invisible! Je voulais pas. Et comment on est invisible? Comment on fait un selfie? Je veux faire un selfie avec toi. C'est ça que tu veux faire? Regarde. Hop. Photo. J'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Ciao. T'avais qu'à être plus rapide. Je suis un homme occupé. J'arrive pas à faire, vous savez, dans Spider-Man 1, on pouvait genre regarder notre téléphone tout en... Ah, c'est ça, ok. Ok, ok. J'ai compris. C'est un peu bizarre, la nouvelle manière de faire des cascades. J'ai l'impression que c'est nouveau. Je suis pas sûr, mais... Course-poursuite, bon, on va le faire. D'abord, on grimpe. Et on va faire ça. Bon, ok. Elle est où la voiture? Bah, elle est partie. La voiture en fuite a fui. Ok. Par contre, je vais faire un truc, c'est que je vais désactiver la TH. Un minimum au moins. Parce qu'il y a trop de trucs qui apparaissent à l'écran et je suis vraiment pas fan. Et je me suis beaucoup trop éloigné du raft. Donc je vais y aller rapide. Ah, il y a un truc de l'homme sable là-haut, on va le faire. Pardon, je... je fais que m'écarter. C'est pour ça que j'avais tenté de faire un... Je me suis pris le lancette dans la gueule. Il y a un truc qui fait bip bip, c'est quoi? Ah, c'est ça, ok. J'avais commencé un let's play de Yakuza. En fait, pendant 2 ans, là, j'ai joué qu'à Yakuza. Et j'avais commencé un let's play et mes vidéos, j'avais fait 5 vidéos, je pense. Donc même pas 1% du jeu, quoi. Vu que chaque jeu dure 400 heures... Bon, j'exagère, mais voilà. Et chaque vidéo, c'était bon. On continue l'histoire principale. Oh, il y a ça. Oh, il y a du karaoké. Oh, il y a... Il y a du truc. Oh, il y a une salle de jeu. C'était vraiment que ça, donc j'ai arrêté let's play. Et j'ai continué les vidéos dans mon... Enfin, les jeux dans mon coin sans filmer. Sauf que j'avais la flemme de traduire à chaque fois. Donc bon.
on les envoie en dehors du bâtiment, ça suffira. J'essaie de vous aider, moi. Ouf, c'est mal ça. Adieu. Ok, c'est bon. Tout ça pour un aussi petit cristal. J'ai dit à la police que quelqu'un nous voulait du mal, mais ils veulent pas m'écouter. Personne m'écoute jamais. Alors il est temps pour moi de m'en occuper moi-même. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu Marco. J'aurais pu l'aider si j'avais su qu'il avait des problèmes. Donc ça fait des années, donc ça veut dire que ça fait plusieurs années que Miles est Spider-Man. Je viens de discuter avec ma source du Raft. Marco a un comportement brutal et incohérent depuis son arrivée, mais il paraît que son état montre des signes encourageants. Je sais pas ce que tu fais avec ces cristaux, mais surtout t'arrête pas. Ok. Bon, on va récupérer la tenue normale. J'avoue que celle-là elle est sympa, mais je suis pas trop fan. Je préfère pour l'instant garder les tenues classiques. Et puis, oula, ne tombe pas. Et puis, on va se laisser là, je pense. Ça fait... Oh, c'est la Fisk Tower. C'est là où a commencé le premier jeu. Trop bien. On va se laisser là, je vais aller au Raft, tranquillou. Et puis, c'est parti. Ouais, 21 minutes de vidéo, ça va, c'est pas mal. Allez, adios.